Salut à tous, c'est Piana Gamer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans les tutos de Piana hashtag 2. Alors dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous apprendre à créer votre bannière YouTube gratuitement sans logiciel à l'aide du site PIXLR. Alors déjà vous allez vous rendre sur le lien en description pour télécharger le fond. Voilà, si vous voulez, si ce fond vous plaît pas, vous pouvez choisir un autre fond, mais moi c'est le fond que vous voyez sur ma bannière là. Je trouve que c'est un fond assez stylé. Du coup vous le téléchargez là. Ou si vous voulez un autre fond, ça marche aussi. Faut que vous téléchargez une image 2560 x 1440. Voilà, il y en a plein. Enfin bref, moi je préfère utiliser celle-là parce que je la trouve assez stylée. Bon, j'ai déjà téléchargé. Après, vous vous rendez sur le deuxième lien en description. Vous faites. Alors, vous vous arrêterez sur cette page. Vous faites bourse. Vous sélectionnez mon image ou votre image, quoi. Moi, perso, mon image, c'est ça. Autour, les contours, ce sont. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je peux mettre genre un logo ou quoi, même s'il ne me plaît pas. Et ça se verra pas. Ça se verra pas, quoi. Sur la bannière, ça se verra pas. L'espace vraiment il va être ici. Alors là vous arrivez où en bas il y a des outils, différents outils, ajustements, effets, overlay, border, stickers and tip. C'est pour l'écriture. Bon, il y a pas mal d'écriture, hein, je vous dis. Regardez tout ce qu'il y a, il y en a plein. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Regardez tout ce qu'il y a, franchement c'est énorme tout ce qu'il y a. Après, vous avez aussi ceux-là, enfin bref. Je vous passe. Voilà. Alors, pour commencer à écrire, vous sélectionnez votre truc. Vous cliquez juste à droite et après, il y aura. Voilà, vous aurez. Ça écrira. Par exemple, moi, je vais mettre 100 et je vais mettre. Cardinal. Je vais mettre. Piana Gamer. Hop, voilà, vous pouvez l'ajuster ou quoi. Après, hop, je vais faire OK. Après, je vais mettre un deuxième type. Avec un autre truc. On va mettre multi. Hop, voilà, vous pouvez l'agrandir, mettre juste en dessous, voilà. Après, vous avez aussi des ajustements, si vous voulez la brillance, enfin bref, vous avez plein de trucs. Pour ajouter des images, vous faites Add Image. Après, en fait, si vous voulez que ça rende mieux sur votre bannière et qu'il n'y ait pas le contour blanc, vous allez juste à faire, hop, vous faites Image.png, par exemple, vous voulez quoi, une image de... Le personnage ou quoi, je vais je sais pas moi, perso je vais mettre un truc, mais c'est juste parce que voilà, c'est sur ma bannière et etc. sinon bref, alors je vais mettre Clash of, on va mettre une image de Clash of Clan et vous allez taper .png et en fait c'est pour qu'il n'y ait plus le contour blanc autour. Par exemple, cette image, elle marche parce qu'en fait, vous voyez, attendez, je vais choisir une autre. Celle-là, elle marche parce qu'il y a les petits quadrillages en fond. Du coup, en fait, vous aurez que le barbare, vous aurez rien d'autre. Regardez, je vais l'enregistrer. Hop. Non, ça on peut fermer. Hop. Vous faites Animal, Bruce. Après, vous choisissez votre image. Bon, elle est là. Et vous voyez, il n'y aura pas le fond blanc, il y aura juste ça. Moi, je vais la mettre là par exemple. Après, moi je choisis une autre image d'un autre truc. On va choisir. On va taper .png pour voir ce que ça fait. Et là, vous avez plein d'images, franchement, pour .png, comme ce que vous voulez. Hein. Alors, du coup, je vais mettre Batman, parce que j'aime bien Batman Arkham Knight, le jeu. Et bref, voilà, il y a plein d'images. Choisir par exemple non, celle... voilà celle-là je peux non, enregistre
Bref, en fait, les images, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je vous montre juste comment créer votre bannière bah, gratuitement. Bref, si ma bannière vous plaît pas, bah c'est pas grave, hein, de toute façon. Parce que moi, je vais pas la mettre sur ma chaîne. J'ai déjà la mienne qui me plaît et que j'avais créée aussi. Voilà, vous ajustez. Alors, après, vous pouvez mettre des stickers. C'est des trucs qui sont déjà point PNG. Il y a plein de trucs, genre des symboles. Vous pouvez même changer la couleur, par exemple, si vous voulez faire un truc genre Ghostbuster. Vous pouvez le faire. Par exemple, ça peut donner un truc sympa comme ça. Vous pouvez même, pardon, changer la couleur. Des trucs kawaii, enfin bref. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire. Vous allez dans accessoires. Si ça vous plaît pas, bah c'est pas grave. Moi, ce que j'aime mettre, c'est ça. Sur les côtés. Ça fait stylé. Vous pouvez déjà le voir sur ma bannière. Hop, voilà. On va en mettre vite fait deux. Voilà, j'ai mis les deux là. Hop, appli. Après, bah, vous pouvez mettre des effets aussi. C'est genre si vous voulez que ça fasse un peu bizarre, genre comme ça. Mais ça sert à rien pour votre bannière. Hein. Après, vous avez les overlays. Ça peut être sympa si vous avez. Genre si vous voulez rajouter des trucs genre comme ça ou quoi. Mais ça va pas se voir. Du coup, ce que je vous propose, c'est de rajouter genre un petit drapeau. Si vous voulez rajouter un drapeau, voilà, vous l'aurez en fond. Bon, vous verrez pas tout le drapeau sur votre bannière, mais bref. Et vous avez ça. C'est pour genre votre image là. Hop, regardez, ça fait un style, enfin bref quoi. Enfin voilà, vous pouvez vous personnaliser votre bannière à vos goûts. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Le lien de PXLR, de tout ce que vous voulez, sera dans la description. Vous aurez aussi des informations sur les dimensions YouTube, etc. dans la description. Allez, bonne fin de journée. Au revoir, ciao ciao. Merci d'avoir regardé.